est un mariage tellement beau qu'il ne devra se passer que dans le ciel. Ce sera le mariage de l'époux et de l'église. Ce jour-là, tous les saints mangeront à la table du roi. Ce sera le mariage de l'époux et de l'église. Ce jour-là, tous les saints mangeront à la table du roi. Du roi, ce sera le mariage de l'époux et de l'église. Ce jour-là, tous les saints mangeront à la table du roi. C'est un mariage qui ne sera pas comme ceux de la terre, un mariage dont la célébration se fera qu'au ciel. Quelle joie ce sera pour l'église de voir son époux, celui pour qui sur terre elle renonça à tout. Frère, ce sera le mariage de l'époux et de l'église. Ce jour-là, tous les saints mangeront à la table du roi. Oui, ce sera le mariage de l'époux. À la table du roi. Mangeront à la table du roi. Préparé pour l'Église depuis l'éternité passée. Ce jour de danse, de cris de joie et de réjouissance. Ce jour où les anges au ciel rendront la gloire à l'Élohim fidèle. Car elles seront enfin venues, les noces de l'agneau tant attendues. Et l'épouse sera là, aux côtés de son roi. Oui, l'Église de Yehoshua, qui s'est longtemps préparée. De fin lin en ce jour, elle sera parée. Les humiliations et les misères, les tribulations et les galères, en ce jour ne seront plus des larmes de joie au lieu de larmes de tristesse, des chants de victoire au lieu de chants de détresse, seront pour l'éternité entendus. Oh, les noces de l'agneau,
le mariage de l'époux et de l'église. Mais qu'est-ce que ce sera beau? Qu'est-ce que ce sera beau?